Coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Je suis au vélodrome de Gourdeliane à Bémao en compagnie de mon petit Hervé qui m'a prêté son vélo pour que je puisse remonter à vélo. Et oui, cela fait bien quelques années, je ne dirais pas que vous ne deviniez pas mon âge, que je n'ai pas pu tenter l'expérience du vélo. Et aujourd'hui, je suis venue rendre visite à Ludovic qui va m'apprendre à monter à vélo. Bah, j'ai appuyé sur un truc et je sais pas ce que c'est, je pense que je suis vraiment pas douée, hein Hervé, hein. Ah, parce que tu penses que tu peux faire mieux toi peut-être. Ah ouais, mais alors vas-y, viens. Bonjour, je suis Raïssa, je suis venue apprendre à monter à vélo. C'est bien Ludovic, c'est ça? Ah non, moi c'est Rubens. Ah c'est Rubens. Alors Rubens, est-ce que je peux apprendre à monter à vélo? Bien sûr. Oui, malgré mon âge, même si je n'ai que 20 ans bien sûr. Oui, on peut tout ça pour monter à vélo, n'importe quel âge. Ah bon, n'importe quel âge, vraiment? À 60 ans je pourrais apprendre? Oui, évidemment. Et vous avez des personnes de 60 ans qui viennent? Oui, oui. On a tout âge, 40 ans, 50, 60, 70, si on a la forme, même 100 ans si on peut. C'est vrai, oui. Et est-ce que vous pensez que le vélo a une grande place en Guadeloupe? Ah oui, on a une grande place. Déjà regardez le tour de la Guadeloupe, l'ambiance qu'il y a, il y a beaucoup de jeunes qui font du vélo, déjà on est au vélodrome, il y a entraînement. Et donc les enfants, c'est à partir de quel âge? À partir de 2 ans je crois. À partir de 2 ans? Dès qu'ils peuvent marcher, on a les vélos adaptés pour eux, donc ils peuvent venir. On leur apprend à manipuler un vélo, à prendre l'équilibre, à s'habituer au vélo, aux deux roues, donc voilà. Et donc du coup, bah, j'étais venue voir Ludovic, il est là. Ah mais tiens, regardez, il arrive. Ah ben oui. Ah ben bonjour Ludovic. Bonjour, c'est toi? Bonjour, c'est Raïssa? Oui, c'est moi en fait, ça va? Ça va bien, oui, ça va. Oui. Alors du coup, en fait, tu m'as invité à venir, donc je suis venue pour apprendre à monter à vélo. Oui, tout à fait, donc on va y aller. Par contre, en revanche, si t'as pas la tenue adaptée, il va falloir que tu t'équipes. Quoi. Ah bon, mais je vais m'équiper. Ludovic, l'association Mon École de Vélo, est-ce que tu peux m'en dire plus? Ben oui, c'est une association qui a 2 ans d'existence. Donc elle a été créée pour déjà faire découvrir les activités du vélo en club et en loisir. Donc on a pour but de faire l'apprentissage pour les enfants et les adultes. Aussi, nous faisons des interventions dans les écoles, dans les structures CLSH aussi. Et aussi, nous faisons aussi des anniversaires, intervenant aussi sur des salons, des forums aussi, à la demande de la clientèle. Voilà. D'accord. Et en fait, tu as beaucoup de, selon ce que tu pourrais constater, est-ce que tu as beaucoup de personnes qui ne savent pas monter à vélo en Guadeloupe aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'il y en a beaucoup? Oui, il y a pas mal. Malheureusement, lors des interventions dans les écoles, c'est vrai que ça m'a un peu embêté de voir ça. C'est pour ça que l'idée est partie aussi de l'apprentissage enfant-adulte. Parce que nous avons souvent des enfants, eh bien, dès l'âge de 8 ans dans les écoles, ça part fort de vélo, des fois 12 ans, des fois 14 ans. Donc je dis non, il faut faire quelque chose pour pouvoir un peu pallier à ce manque-là, quoi. Alors, est-ce que le proverbe qui dit on ne peut pas oublier, c'est comme monter à vélo, on n'oublie jamais de monter à vélo. Moi, la dernière fois que je suis montée à vélo, je devais avoir 8-9 ans. Est-ce que tu penses que si je remonte à vélo aujourd'hui, je serais capable de pouvoir, en 5 leçons, parce que c'est ce qui est quand même en 5 séances, est-ce que tu penses que c'est possible de réapprendre en fait? En général, la mémoire n'oublie pas. Mais après, c'est vrai qu'il faut faire un peu une initialisation, donc c'est la base. Donc ce qu'on fera aujourd'hui, je te montrerai un peu les débuts de base, et après on verra si en 5 séances ça te suffira, sinon on fera plus fois. D'accord, donc c'est possible de faire en plus de séances? Oui, c'est possible. En général, les adultes, des fois, c'est plus longtemps, c'est plus loin, il y a plus de séances. Pourquoi? Parce que la notion de la peur, il y est. L'enfant, il n'y a pas la notion de la peur. Donc c'est vrai que l'adulte, il y a la peur de tomber. L'enfant, ça va quoi, on y va. Une fois qu'on maîtrise cette peur-là, parce que je suis là aussi pour ça, c'est accompagner l'enfant ou l'adulte à vaincre sa peur. Et après, une fois qu'on a parlé cette peur-là, c'est de la motivation, y aller, et après, j'accompagne. Non, c'est bien, voilà. Bon, mais super. Et donc, c'est à Bémao uniquement que tu donnes ces cours? Ben, je fais au niveau du site de Bémao, au Vélodrome, ou sinon sur le Gosier aussi, voilà. D'accord. Super. Et comment on fait pour te contacter? Ben, il y a un numéro de téléphone, donc c'est le 06 90, le 41 17 25, ou un site internet www.monecoledevelo.guadeloupe.com.
Voilà. Mais super, il y a une page Facebook également. Nous avons une page Facebook aussi, vous tapez monecoledevelo.guadeloupe.com et dessus il y a toutes les infos. Je ferai un plaisir de vous accueillir, de vous répondre. Voilà. Mais super, et une dernière question, est-ce que tu penses qu'en Guadeloupe on a besoin encore d'apprendre à monter à vélo? Bien sûr, hein, surtout dans le monde grenier, le sport santé. Donc déjà en termes de santé, c'est important de pratiquer le vélo. Souvent, on fait le constat, les enfants, très jeunes, ils sont devant la télévision avec des jeux, il n'y a pas d'activité sportive, mais pour la santé, c'est très important. Voilà. D'accord, donc n'oubliez pas pour la santé, montez à vélo et venez voir Ludovic à mon école de vélo. Alors oui, je confirme, hein, c'est du sport, hein, super séance, merci beaucoup Ludovic. Super, c'est bien passé, la preuve, tu as réussi à moins de 5 séances, tu as réussi à faire du vélo, donc super. À cette occasion, je te remets ton diplôme. Et il faut savoir aussi que mon école de vélo est labellisée École MCF, donc c'est un réseau qui regroupe que des moniteurs diplômés, formés dans le réseau. Donc vous êtes accompagné par un professionnel, voilà, avant tout qui sa passion, voilà. Waouh, c'est génial! Donc moi j'ai un diplôme, j'ai été formée par un professionnel et je vous confirme, le vélo ça ne s'oublie pas. Eh oui! Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci à Ludovic et à la mascotte de nous avoir accompagnés sur cette belle émission ETV en commune. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye! Wouhou!